Ça swing dur. Dur. Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour l'épisode 13 de Tourjon de Malbuck. Allez, on peut pas ouvrir ça. Ok. C'est moi, chef. On venait de se tabasser des orques. Et des orques bourrés d'ailleurs au passage. Oh, c'est encore une grille. Ce jeu est vraiment trop bien. Caméra. Ça a l'air d'être les vrais embrouilles. Bon, let's go pour les vrais embrouilles. Excusez-moi, j'ai oublié de lancer un chrono. 30 minutes d'orque bourré, c'est parti. Bonne vidéo à tous. Ok, donc on est sur les meilleures ambiances, visiblement. Mais attends, ça c'est humain. D'accord. D'accord. Et on est sur une guerrière de niveau 15, hein, visiblement. Je sais même pas c'est quoi notre niveau. C'est pas pratique d'appuyer sur table et d'essayer de se diriger en même temps. Ok, c'est et une taverne et un parc d'attractions. Putain, ils ont des tavernes qui sont trop bien, les orques. Ah, je te connais, toi. Formidable! Voici nos sympathiques candidats, qui sont aussi nos sympathiques invités. Encore lui? Saloperie de gobelin! Mais c'est quoi, ce bordel? Entrez, entrez! Venez profiter de la seule, de l'unique, de la formidable fête orque de l'ours à la bière! L'Orktoberfest! Mais c'est payant à tous les coups! Oh! C'est plein de couleurs et de gens qui s'amusent! Par Chrome! Il y a de la bière et des saucisses. Quel art, miam miam. N'ayez pas peur, approchez. Laissez-vous tenter par notre exceptionnelle bière triple et nos incomparables saucisses aux herbes. Peut-être qu'on peut juste boire une bière avant de combattre. Et manger des saucisses. S'amuser un peu, ça peut pas faire de mal. C'est un piège. Il y a un enchantement qui... Bon, une toute petite bière alors. Ça va mal tourner. Un enchantement qui rend alcoolique, c'est formidable. C'est à ce moment-là que je me suis aperçu que le barbare était quand même un barbare breton. Visiblement, tu lui donnes des saucisses, à mon avis, dans une galette. Avec de la bière, il est heureux. Tête ! J'ai mal à la barbe ! Je veux vomir ! Alors, on a mal à la tête ! On ne supporte pas la bière forte ! Et faites-le taire ! Juste une petite bière, hein ? Oh. Il y a un mammouth qui danse dans mon crâne. Youplaboum, copain. Ah, tu es content, toi, forcément. Attendez, j'ai un sort de dissipation d'ivresse de groupe. Ah, voilà qui est mieux. Alors, où sommes-nous? À l'entrée du donjon de Naulbug. C'est ça, le donjon? Il a pas l'air terrible. Faut pas s'y fier. Personne n'en est jamais sorti. Attends, pourquoi tu dis ça? C'est plus fort que moi. Ah, misère! Ce pourri de gobelin nous a encore roulé! On n'a même pas sorti nos armes! Si on y retourne, il faut vraiment pas boire! Il veut y retourner pour boire et manger, c'est ça? Tu fais vraiment de gros progrès en ogre! Je crois plutôt qu'il nous faut une protection magique! Ton sort de dissipation ne suffit pas! Il n'est utile que si le mal est déjà fait, on tournerait en rond! Ce qu'il nous faut, c'est une potion de protection contre l'envoûtement! Une potion à boire pour éviter de boire? C'est vraiment de la merde, la magie! Le pharmacien qu'on a croisé a dit qu'il avait des recettes pour résister à l'alcool. On devrait essayer! Encore de la magie? On peut sans doute réussir sans ça! Ok, donc on va voir le pharmacien. Hein. Et pour aller le voir, je crois, faut manger ce couloir-là. C'est le couloir des 133 de piège et demi. Alors, attendez, c'est un bazar. Chrome n'a pas besoin de carte. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis pas dans le bon. Je suis pas dans le bon sens. Faudrait voir au cas où les pièges auraient été réactivés. Non, c'est bon, on peut repasser sur un ranger. Parfait. Ouais.
porte toujours pas cassable. C'est une porte en pierre ou en bois? Je vois pas. Ah, pierre. Ça se casse pas. À part monter en niveau, mon vieux. Non. On n'a pas le niveau pour ça. T'as pas tapé assez fort. Plus fort. Notre ogre. Déjà, ils sont niveau combien? Niveau 4. Ah oui, ils sont encore nullos. Et je crois pour péter les portes... Tac, c'est celle-là. Donne la possibilité à l'ogre de défoncer les portes barricadées en pierre, donnant accès à des trésors encore plus cool. Très bien. Hé, mais c'est ma troupe d'aventuriers préférés. Emile ? Mais vous faites quoi ici ? Bah, à mon âge, vous savez, on a souvent besoin d'un petit remontant. Et puis ma vieille blessure au genou qui me fait parfois souffrir. Tenez, monsieur Brocoul, votre magique amant contre les maladies honteuses. Ouais. Bon, c'est pour une amie qui a des problèmes. Enfin, vous voyez. Elle a des problèmes avec son genou ? Je crois que c'est plus haut. Ah, bon. Nous aussi, on aurait besoin d'un service. Ah, voyons ça. Langue blanche, œil jaune, haleine de chacal moisi. Je dirais que vous avez un problème d'alcoolisme qui vous cause une stéatose hépatique. Pas du tout, je... oui, bon, en fait, c'est pas de notre faute. C'est magique et on nous a forcés. Ils disent tous la même chose, vous savez. Il faut vous faire aider. Il y a des groupes de paroles anonymes. Admettre qu'on a un problème, c'est le premier pas vers la guérison. Mais pas du tout, je vous dis que c'est une malédiction. On nous a forcés à boire. Mais, aidez-moi, vous autres. Non, mais vous bidez pas, on sait ce que c'est, hein. On boit un coup, et puis un autre. T'es qu'un sale poivreau, c'est tout. À vos compagnons vous soutiennent dans l'adversité. Mais je ne suis pas alcoolique. Attendez, il a raison. Nous sommes victimes d'une malédiction. Des démons nous obligent à boire. Bon, si votre sorcière le dit, j'imagine que c'est un peu plus fiable. Merci, la confiance règne. Et donc, en dehors de vos problèmes d'alcool, vous avez besoin de résister à une tentation magique? Il pige à deux à l'heure. On aurait plus vite fait d'apprendre à lire à un tabouret. Mais je n'ai pas de problème d'alcool. On a juste besoin de résister à la tentation causée par les démons. Je vois tout à fait le genre de magique amant dont vous avez besoin. N'en déplaise à votre compagnon à la verticalité contrariée, mais il vous faudra quérir les composants idoines. Voici une liste. Bon, je vous remercie. Nous reviendrons avec les ingrédients. Alors, de l'eau croupie... La bière, c'est mieux. De la poudre d'os et des ailes de papillon. Mais moi, je veux pas tuer des papillons. Dites, sinon il y a peut-être un moyen plus simple. De quel ordre? Faut parler plus fort. Il y avait un type qui se baladait il y a quelque temps avec une ombrelle de résistance démoniaque. Un genre de bonze ou un truc comme ça. Un objet magique de résistance, ça peut aider, en effet. Ouais. Il disait qu'il était protégé de l'influence des démons. Que son bidule avait été tricoté par les dieux ou un truc comme ça. Intéressant. Plus fort. Sauf qu'il s'est perdu dans les catacombes. Soi-disant qu'il cherchait la sagesse dans l'isolement. Et des tortues à nourrir avec des pizzas. Vous voyez le genre? C'est pas un peu farfelu, ce truc? Moi, ce que j'en dis, c'est pour rendre service, hein. Et puis, j'aime pas trop ce phare magicien avec ses airs supérieurs. Nous allons y réfléchir. Plus fort, je t'ai dit! Ok. Où trouver l'ombrelle de la résistance? Ma question, c'est est-ce qu'on peut faire les deux? C'est une vraie question. Est-ce que... Ah, il y a soit la quête à... Ah oui, parce que ça va être dans le jardin, les papillons, les trucs comme ça. Oui, c'est ça, ça va être côté jardin, côté cimetière. Ouais, moi je suis chaud pour aller cimetière, justement, on n'a pas pu ouvrir cette zone. J'ai envie de l'ouvrir. Et je veux voir si pareil, on peut aller aider le gars avec son ombrelle, là. Même si c'est pas spécialement pour le racketter. Juste pour débloquer une zone de la cave, ce serait cool. Ah voilà, au moins on a ouvert une zone, déjà. Ça c'est cool. Donc là on a une grille, ça sera pour faire le tour. Oh, ça sent la bagarre. Hein. Ah là là, misère, mon beau jardin, mes carottes, mes rutabagas. Bonjour. Oh, vous avez l'air tout triste. Mon jardin est ravagé par une horde de rats aux pieds géants. C'est une catastrophe. Mais quelle horreur! Je ne sais plus quoi faire. Ils détruisent les semis, mangent les racines, dévastent toutes les plantations. Plus un cardon à se mettre sous la dent, plus une rose, plus un œillet pour les bouquets. En même temps, les légumes, c'est pourri. Et les fleurs, ça sert à rien. Les rats dans les mines, on les enfume avec des gaz asphyxiants.
Un bon nuage mortel et hop, problème réglé. Ah, mais je ne peux pas. Tout le potager du donjon est labellisé jardinage biologique de Fang. Je ne peux utiliser ni alchimie, ni moyens magiques pour me défendre. Tous ces superstitieux rétrogrades qui refusent la science. Faut admettre quand même que des navets arrosés au gaz asphyxiant, ça donne pas trop envie de potage. Il faut qu'on aide ce pauvre jardinier. Je suis triste quand les fleurs disparaissent. Mais pour ça, faut tuer des rats. Sauf que quand on en tue 10, le lendemain, 20 autres arrivent. Mais je peux pratiquer la lutte biologique intégrée. La quoi ? Introduire des prédateurs naturels des rats taupiers. J'ai lu dans un numéro de l'almanach de Fang que les meilleurs sont les araignées géantes. C'est vrai que c'est beaucoup plus rassurant que du gaz mortel. Du coup, il me faudrait des œufs d'araignée géante. Mais je ne peux pas aller en chercher. Si je quitte le jardin, les rats vont manger les derniers légumes. Je suis vraiment désemparé. Bon, si on croise des œufs d'araignée, on pensera à vous. Attention, il faut des araignées géantes des profondeurs. Celles de la surface ne font pas l'affaire. Il dit qu'il veut bien essayer une omelette aux œufs d'araignée géante. Berk ! Franchement, c'est pas plus immonde qu'un plat de légumes bouillis. Si vous m'aidez, vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Je pense qu'on va aller chercher... Oh, joli dessin, c'est quoi ? Œuf d'araignée géante. C'est pas au bon état. Est-ce qu'on peut suivre cette quête ? Bon, on va aller au bout. On va aller au bout, ça a l'air de se passer au bout, toute cette histoire. Y a rien par là, évidemment. Tac, tac. Tac, tic, tac, tic, tac, tac. Oh, ce cimetière a du plus bel effet, hein. Un levier. Badaboum. On va quand même aller jusqu'au bout. Donc le fameux potager. Alors, excusez-moi, se déplacer en maintenant tab avec un clavier, c'est pas la meilleure des évidences. Hein. Ah, inspecter. Des papillons. Aile de papillon acquise. Poudre d'os et eau croupie. Eau croupie, on va en trouver là-dedans. Ok. Défoncer cette porte, elle est en bois, c'est parfait. Casse tout là-dedans, mon copain. Il y a la bonne grosse boîte. Avec un peu de chance, il y a quelque chose de magique là-dedans. Soin donné plus 10. Oh, c'est bien ça. Ça, on aime, hein. Bracelet de Nolzer... Oh là, Nolzerwen. Ok. Et plus de potions d'invisibilité. Ok, on prend tout. Très bien. Pacte d'altruisme. Ne pas alors. Mélanger les potions, sinon ça peut exploser. Intelligence 1, pacte magique 3, pourquoi d'accord. Les gens, ils mettent pas des mains dans mes poches. Tu rends combien de soi, toi, ma fifille, avec ta compétence? Tu rends 65 et de l'armure. Donc moi, c'est très bien, je pense que tu vas donner plus de soins, parce que je crois que le ranger lui donne beaucoup avec sa compétence. Je dis pas de bêtises. Tu donnes 75 de base, ouais, il donne pas mal. Non, inventaire. J'ai des noisettes pour les écureuils. Équipe-toi ça en emplacement 1. Tac, tac, tac. Alors actuellement, tu as juste bonus de 1 en précision. Oh ouais, carrément mieux. Allez. C'est beau, je suis bien contente avec ça. Voilà. Allez, les nains font des cartes sur du granit. Zut, c'est plus lourd, mais ça dure c'est ça, plus longtemps. Hein, j'avais rien d'autre que ça. Il y a quoi là-dedans? Ah, c'est mon sac. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. On tourne en rond. Tac. Bon, il n'y a rien d'autre ici. Tac, tac, tac. Alors, on pourrait prendre la poudre d'eau. Je pense qu'on va trouver ça au niveau d'une tombe. Mais quelle horreur! Des rats. Ah, ça y est, on part sur un corps à corps endiablé, visiblement. Avec des rats des deux côtés. Alors, ouais bah on n'est pas trop mal disposé en vrai. En vrai, on est pas mal. J'ai envie de garder ça. Baston. Un ranger de Loubet. Ça a 42 points de vie. Moi, je vais quand même protéger mon coup parce qu'il y a beaucoup de rats qui sont entre deux et qu'on peut pas les one-shot. Et je vais mettre un ranger de Loubet au cac. Ça arrive pas souvent, profitez-en. Ah.
J'ai l'air de faire des pop des rats avec juste une gifle. Allô, je t'ai demandé de le gifler là. Voilà, si tu me le gifles. Ça, c'est à 50 PV. Hein. Dégomme-moi ça là. Prends ça, fiente de poule asthmatique! Ok, c'est le ranger qui prend tout. Ah non, ça c'est pas cool ça. Ça c'est pas cool. Maître nain. Il est petit mais il est bourrin. Ouais, on va le placer comme ça. Bonjour, bonjour. Ah, j'ai pas vu ce rat. Ah, tiens. Ouf. Oh, il a pris tarif. Tape le ranger. Oh, excellent, allez, pourrissez-lui sa gueule. Ça m'arrange. Dégage ce rat. Comme ça, il prend 300 attaques d'opportunité. Oh, pulvère. C'était beau. Hein. C'était beau, hein. ça a régalé. Hein. Voilà. Pas bouger. Tabasse le ranger. Parfait. Cassez-lui la gueule. À cet enfoiré. Touk 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 touk. Salut. Ton attaque triple récidive massacre à l'usine. Ça me paraît 89, 99, 99, 74. Tape là-dedans. Baissez-vous. C'est pas mal. Il y avait un swag. T'as mal, hein. Bah souffre. Je veux que t'ailles là. Et je veux que tu leur mettes ta plus belle gifle de Namzar de tous les temps. Ah ouais. Oh ouais. Au revoir le ranger. Oh, c'est peut-être un petit peu énervé, on va peut-être pas OS le ranger comme ça. Togas, voilà. Ouh, ok. Tac 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 tac. Et histoire de bien te faire chier jusqu'au... Comme ça lui je peux pas. Oh, je peux pas à cause du décor, je le vois pas. Mais non. C'est une blague, du coup je peux pas le tirer non plus. Oh là. La méga blague. Je ne suis pas là. J'aime pas trop les rats. Surtout c'est que je peux pas pré-shot et un endroit où je peux nain. Le poser quoi en fait. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Ça non plus, ça touchera rien ni personne. Ouais, écoute, hein, qu'est-ce que je te dis, de toute façon, ça sera pourri dans tous les cas. Oui, j'aurais pu couvrir les deux, là, à la limite. Non, pas mon ogre. Et ça souffre, ranger de loubet débile. Personne n'a pris de dégâts à part toi. Dis-moi ce truc. Félicitations. Oui, bah, voilà. Alors je sais pas si c'est bien utile de claquer ça sur un rat, mais j'aurais plus dû lui taper dessus. T'es à combien de précision? Ma souris. 87, ça le fait. Prends ça, mauviette. Voilà, parfait. Un grand garçon. Donc, ma fifi. Est-ce que tu me ferais pas un soin des rangers? Alors ça, voilà, ça c'est un peu énervé. Pour une fois, le nain, il est collé à tout le monde. Non, bah il va me renverser un rat. Hein. Voilà, t'as un bonus sur le copain. Dégage. Fous-moi ça par terre.
Excellent. Zog-Zog casse toxique ou alors Zog-Zog gifle de Mars. Bon, gifle de Mars. Oh, ça a pris. Oh, ça a déblayé tout de suite. Hein. Ma sorcière tant aimée. Est-ce que finalement tu tirerais pas là-dessus? Genre, pouf! Je te mettrais bien à côté de l'ogre, mais c'est pas trop le moment. Toi, ta présence a été révélée, c'est pas grave, tu vas te placer dans le dos de cette créature. Tu vas me la poignarder. Attends, me la poignarde, s'il te plaît. Elle va venir, celle-là! Rend en déroute. Ah, il tente même pas sa petite déroute, hein. Il passe de l'autre! Ah, bah, il est mort. Ah, c'était vraiment pour pourrir mon groupe, quoi. Ah, j'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Oui, on va soigner la sorcière, pas. Ça me rappelle les cours de potion avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Couronne de fleurs de bois. De l'esquive et de la protection, très intéressant. Du charisme de l'endu. Et de l'endu. Je pense que c'est un truc de ranger, ça. On verra bien. Et on a un niveau qui a été pris. Excellent. Un collier de fleurs. Donc ça, on a dit du charisme. Ah oui, mais alors attends, le charisme, ça joue sur quoi? Parce que je sais plus. Je crois que ça joue aussi sur les pouvoirs magiques. Soutien reçu lors de la 1, personnage soutenu reçoit plus de précision en fonction de son charisme, machin. Et ça régène l'endu. Toi, tu n'utilises pas de mana, tu utilises de l'endu, je crois. Équipe-toi un collier de fleurs, même si je pense que c'était plus pour cette fifille. Là. Alors, attends, avant de te le mettre, tu as actuellement protection 1, adresse 1, charisme 1. Plus d'esquive, mais étant donné que je te joue pas spécialement corps à corps. Ton charisme. Comment ça? Ah oui, non, ok. En fonction du charisme de l'elfe, c'est ça. C'est modifié par son charisme. Son soin est modifié par son charisme. Question pour notre chef, est-ce que ton charisme joue? Visiblement non. Gagne en puissance avec l'intelligence, donc non. Toi, tu es un personnage intelligent. Donc c'est bien ce que je c'est me disais. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Des équipes, on va voir la fifi et on l'équipe. Il lui faut du charisme. Très bien. Formidable. Ceci est un ogre. On a gagné plein de picoles. On pourrait retourner là, donc chercher de la poudre d'os. Il y en a un qui a oublié de monter de niveau, je crois, non? Ah non. Excusez-moi. Je pensais. Est-ce que je prends la poudre d'os maintenant? Alors déjà, je sais même pas où est-ce qu'elle est. Voilà. Je marche sur tout et n'importe quoi. Ouais. Ok. Poudre d'os, c'est pas ici visiblement. Alors c'est censé être là, mais je la vois pas. Est-ce que c'est pas une excuse pour aller faire l'autre quête? Je sais pas, hein. Je pense que oui. Hein. Il l'aurait rangé où? Le jardinage sans la science, c'est vraiment de l'obscurantisme. Moi je peux bien. Je veux bien ta poudre d'os, ma gueule, mais. Je sais pas. Il manque un élément de compréhension. Peut-être suis-je un peu stupide finalement. On va dire que oui. Allez. Allons lui chercher ses œufs.
qui à mon avis sont au même endroit. Bah tiens, il y a des papillons ici aussi. Donc il y a peut-être des eaux par là aussi. Peut-être pas impossible. Après j'ai envie de dire, j'ai éclaté des rats, il y a peut-être moyen de trouver des... Ah, des ambiances. Ah, c'est peut-être par là hein, qu'on va trouver nos eaux. Voilà, genre là par exemple. Wep wep wep. Alors, les embrouilles, les emmerdes. D'accord. Mais encore. Hop. Comme ça. On va s'éloigner de la bordure. Il me faudrait un barbare. Une sorcière. Un ranger de Loubet. Avec une elfe. Un voleur. Ah, il n'y a pas de bonus avec le voleur. Le voleur. J'ai un voleur qui donne un bonus à un pote. Est-ce qu'on peut même switch les deux? On peut consulter les feuilles d'ici. Ah oui, voleur. Toi, pour l'instant, tu n'as des bonus avec personne. Tant que le voleur n'est adjacent à aucun allié, gagne plus 5% de chance de coup critique. Ah, yes. Peut-être falloir passer sur ça, parce que toi, en fait, tant que le ranger est adjacent, tatata, et un ranger... non, ça, c'est l'elfe. Au voleur, gagne 10% de chance de coup critique. Ah, c'est vache. C'est vache. Ok, donc bon, on va les jouer... je voudrais mettre les gloves au milieu, c'est possible ou ça vous emmerde? Non mais... Est-ce que ça change quelque chose? Bon, à première vue, ils se modifient que tous les deux, je crois que j'ai rien avec le ranger, on n'a aucun talent avec personne d'autre, ok. Donc dans ces cas-là, je vais bel et bien remettre mon rango ici. Ah non! Pour protéger l'elfe au centre. Ok, baston. De la protection, de la parade, de l'esquive. Adjugé. Bouclier. On bouge pas. Des baffes. Mettre des baffes. Quoi? Les morts, ça doit rester en terre pour donner à manger aux arbres. On est d'accord. Ah, c'est des archers, ça, en plus. Ça va t'le. Non, ça va t'le. Attention. Grosse résistance. Grosse résistance. Ils sont tous un poil trop loin. Pas d'avancer genre un poil ou vite fait et me faire un tir comme ça qui va ricocher sur tous ses potes. Voilà. 99, 99, je tire lui là. Allez. Parade parfaite, salaud. Garde à vous. Je suppose que ça lui donne un gros bonus de def. On va être emmerdé. Voilà, je vous donne un nain. Allez-y, c'est un nain les gars. Amusez-vous bien. Vous allez tous avoir le garde à vous, c'est ça que vous êtes en train de me dire là. Dégage-moi ce truc. Raté. Ah bah super. Merci mec. Grosse intervention. Gifler du Namzar, d'accord, mais parce que si je tire là-dessus, j'ai 7% de chance de toucher l'ogre. Bon, 87%, 87%. On va essayer de dégager notre voleur le plus possible. Pousse-toi, ma magie.
Et je vais la centraliser, comme ça tout le monde pourra bénéficier éventuellement de son soutien. Moins 1, c'est très acceptable. Ah, ils font des dégâts magiques. Non, ça c'est chiant. Ouais, merci, parce que c'est relou. Arrêtez de viser ceux qui n'ont pas d'armure, vous me saoulez. Hein. Arrêtez de jouer comme des PJ. Hein. C'est insupportable. Ils vont être immunisés au poison, c'est chiant. Je ne suis pas là. Est-ce que j'ai la place de passer dans son dos? Pourquoi si je... Où que j'aille, en fait, le mec est en train de me dire je vais me faire griller. En fait, j'aurais besoin d'aller là. Je crois qu'on peut faire des points de passage en disant genre va ici, puis... va là. Ok, fais ça. Alors attends, fais peut-être pas ça. Parce que là, lui me dit, vas-y, va par là. On va donner leurs os à des clébards. Ah, tu veux vraiment pas que j'y aille dans son dos, hein. Oh, frappe sans bruit. Ah, ça y est, j'en ai un sur mon nain. Trop tôt. Merde. La lourdeur des morbacs, déjà. Même pas mal. C'est pas la même résistance magique que le nain. On n'a pas grande compétence avec notre ami Ranger. J'ai envie de cover mon nain à fond les ballons. Voilà. Et j'ai rien d'autre à ajouter. Si je peux aller là, vas-y, on va avancer de tout ce que je peux avancer. Hein. Voilà. Et bah, je la suis la gueule. Hein. Ça va te le. Hein. Ah ouais, mais par contre t'as supprimé mon truc. Ah, le salaud. Il joue bien. Salaud. Salaud, ça joue bien. Ah, ça a de l'esquive, un mort-vivant. Bah super. Gros stuff hein. Dis-moi au moins que ça réveille mon perso. Ça réveille personne. Ça me bloque tous mes distances. Oh, le jeu qui est en train de me pourrir la gueule. Au secours. Allez, vas-y. Régale-toi. Là, j'ai une vague impression de jouer entre le combat qui a roulé tout seul, où j'ai que les réussites critiques contre les orques. Ce combat-là et le combat avec les gobelins. J'ai vraiment l'impression que le jeu il est passé en mode Darkest Dungeon. C'est-à-dire, j'ai décidé que tu gagnes ou j'ai décidé que tu perds, tu vois. Là, j'ai décidé que t'allais prendre tarif, donc tu vas prendre tarif et puis c'est tout. Ah bah super. On pourrait profiter d'un multibaffage, mais qui sera évidemment minable, puisque je ne suis pas attenant à la magicienne. Vas-y, baffle-les quand même. Si on a une des deux qui passe, voilà. Ah, ils ont une esquive de dingue, hein, les Morbac. Ouais, en plus la magicienne est toujours personne, elle fait zéro dégâts. Vas-y, hein. Moi, si je vous dérange aussi, tant qu'on y est. Hein. Ouais, vous allez prendre votre jeep de Namza ici. Hein. Voilà. Et bah, tu bouges pas.
Tous mes gars sont sonnés, au secours. Oh, mais ça pique! Même pas mal! Putain. Je suis pas énervé, hein. Je suis pas du tout énervé. Super, on n'a pas trop le choix, faut tabasser des morts vivants. Allez. Et ça le tue pas. Ça te vénère. Putain, ils sont tous séparés de mon nain, ce qui fait... Ah, ça me gonfle. J'en ai rien à foutre, colle ta flèche, connard. Critique si tu veux. Torgnole, passons Gurdil. Aïe. Fort bien. Ils sont tous très très mal disposés. Sinon j'intoxique l'elfe. Et ben on va intoxiquer l'elfe. Hein. J'en ai rien à foutre. Allez. C'est parti. Ah mais merde, j'ai crabé tout mon bouffe. Ah, super. Tout va bien. Non, ça sert à rien de te cramer. Oui, non, ça sert à rien que tu bouges. Sinon ils arrêtent d'être stun à un moment donné mes gars, ou ça se passe comment là? Genre mon barbare il veut du gratos hein. C'est il y a une promotion sur son boulot hein, visiblement. Ça pourrait être moi dans quelques années. Ça pourrait, mais ce sera pas toi dans quelques années. Allez. Oh salaud, ouais super, un magnifique coup critique à 41 dégâts sur un mec mort. On en parle. Vous avez 2 heures. Hop. Alors, vraie question. Ça a un impact sur les morts vivants ? Oh, ça a un impact. Allez. Voilà. Et tu vas venir me le coller, ce petit bâtard. Voilà. Il est bien, là. Oh oui. Intéressant. C'est très intéressant. Je me sens pas bien. Tu m'étonnes. C'est vraiment du bolossage des gens qui ont pas d'armure, quoi. Vraiment, ça m'étonne qu'ils ont pas commencé par tabasser la sorcière aussi. Hein. Le ranger de Loubet, tu vas nous ramener ça, hein. Serre les dents. Ça va mieux. Allez. Lui, il est revenu d'entre les morts. Parfait. J'ai envie de te coller une saucisse, sauf que tu pourras plus rien faire. Donc, tabassage en règle de celui-là. Et il lui reste des points de vie. Parfait. Ah oui, tu prendras une attaque de port. Ok. J'ai besoin que tu fasses un soin. Ah, tu peux pas l'atteindre. Par contre, tu peux atteindre le nain. Tu fais pas de dégâts au corps à corps, ma fille. Hein. Ah, suffisamment pour me tuer celui-là. Allez. Dans sa face. Putain, je suis en train de cramer tous mes critiques sur des gens qui ont 3 PV, quoi. Au secours. Yes. Alors ça, c'est par terre. Y en aura pour tout le monde. Si tu frappais comme tu râles, on aurait déjà terminé ce donjon. Putain. Au secours. Au secours. Alors vraiment, hein, c'est on est dans l'oscurantisme le plus complet. Ah, un coup de bite qui est passé. C'est légendaire.
Ça, c'est des points de vie par tour. C'est des points de vie et de la résistance physique. On va prendre ni l'un ni l'autre. On va juste taper ce connard. Voilà. Et ouais, on va passer par là. On va aller oppresser ce type là. Tu peux distance là ? Ah, un peu distance. Ok, donc je peux. Ouais, ouais, je peux juste viser des objets quoi. Ok. Elle est comment ? Elle fait l'endommager ou pas ? Ah, je sais pas. Bon, vas-y, boulette-le. Ah, échec critique. C'est bien la peine de se donner des airs de sorcière. Bouffonne. C'est vrai qu'il a oublié de dire bouffonne. Vas-y. Casse-toi, bouffonne. Ah, carrément. Ouais, ça dégage. Je perds même un rond. Pas mal. Oh. Excusez-moi, un barbare. Tu la vois, ma capuche ? Ok. Je vais avoir besoin d'un healer là-haut. Mais... Et... Je préférerais pas que ce soit toi. Ça compte comme un tir dans le dos, là. Tu vas te déplacer, parce que j'ai pas envie que tu colles une flèche à l'elfe. Hein. C'est pas le moment de commencer à se remettre des coups de flèche dans le dos. Où est-ce qu'on tape ? Quasiment full vie. C'est parfait ça. Bon, j'ai mon nain qui passe sa vie au sol. Qu'est-ce qu'ils prennent dans la face les tanks ? Pas mal. Bon, par contre, il est vrai que quand ça cogne, ça fait mal. Hop. Certes. Alors, je taperai bien, mais c'est pour quand me faire crever la couane. Cible devient furtif. Ouais, sauf que je peux pas l'utiliser. Ça embête. Allez. Exprime tout ton talent. Incroyable. Allez. Aïe ! Oui, je l'ai. Perdra son état s'il est enflammé. Grâce à la résistance magique, un personnage gelé passe son tour et sera plus facile à toucher. Oh putain, secours. Il peut pas jouer. Il peut pas jouer. C'est terrible. C'est terrible. Puis alors ça, c'est vraiment le truc le plus frustrant dans les jeux. Tu vois, pire que le poison, tout ce que tu veux. C'est ces fameuses compétences qui t'empêchent de jouer, en fait. C'est tu regardes le jeu jouer tout seul. Ça, c'est terrible. Hep ha. Wow, un moment j'ai cru que j'étais au paradis des nains. Et dégage. Allez, le nain commence à se carapater, il va faire le tour. Hein. C'est parti. Euh, 32 points de vie plus 6 points de vie par tour. Donne à manger à la petite là.
Un brocoli. Ça, c'est le cadeau de l'ogre. Un brocoli. C'est cool, non? Une gifle dans le dos. Petit coup de latte dans les côtes. Tu peux soigner. Bah, tu peux t'auto-soigner ou soigner le nain. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire. Je vais te demander de soigner un nain. Parce qu'il va, il va repartir au cac-pipe. Hop. C'est un poil douloureux. Furtivité, ok, mais ouais. Je ne suis pas là. Moi, je suis d'accord, hein, t'es pas là, mais où que tu ailles, tu seras grillé en fait. Sauf si tu vas ici. C'est moi. Let's go, un ranger de Lou Bay. Barbare, il est vraiment pas bien. Je cramerais bien une action de plus sur toi pour regagner mon move. Allez ici. Et ah, je peux pas le soigner actuellement. Sad. Ah mais eux, ils bougeront pas, c'est pas nécessaire. Tac, 84%. Allez. Très bien. Et ici. Non, pas baston, ça, ouais. Le nain. Oh, ça court. Tac tac. On va le placer à côté du Rango. Tac. Mets-toi ici. On va voir si je peux faire ma gifle de Namzar sur le décor. Non. Oui, c'est possible. Toga, voilà. Bah, c'est un tour pendant lequel idéalement j'ai envie de dire il faudrait se soigner, mais je crois pas avoir du soin en stock. Donc bah tant pis. Hop. Est-ce que tu peux me tuer ce machin? 17% de chance. Ok, fais un truc comme ça. Du plus bel effet. Bon, Ranger de Lou Bay. Voilà, fais-moi un soin sur Barbare. Serre les dents. Toi, ta saucisse sur toi-même, ça tu seras full PV. Et vu qu'on peut l'utiliser qu'en combat, c'est parfait. Le nain, petit mais bourrin. Dégage, t'es sur mon chemin. Ça, ça part en bolossage réglementaire, je crois. 75% de chance de causer des dégâts à mon pote. Ah, oh bah juste tape-le. Oh voilà. C'était un grand combat.
Trinquons à la santé de Chrome. On a eu mal, hein. Non, je veux pas claquer des potions. C'est pas bon. On dirait la soupe de ma grand-mère. Des bottes pour barbare, elfe et voleur. Barbare, elfe et voleur. Hop, on va checker vite fait. Alors déjà, on va les soigner. Elfe, on avait des bottes pour elfe. Excuse-moi, ça fait quoi ça? Ça régène de l'endu. Aucun intérêt. Couronne de fleurs des bois. Donne de l'esquive, aucun intérêt. Attention à mes livres. Il y avait rien pour elle. Il y avait pour toi, il y avait quelque chose. Pack de force mineure. Force 1. Équipé. Protection 1, adresse 1. Les bottes actuelles me donnent un de constite. L'adresse, ça me donnerait plus de précision. Hein. J'aurais moins de points de vie, mais plus de précision. Ah cool! Je crois mal même chez lui. Se faire les poches à soi-même, c'est la mise protection en abîme 1, du vol. Adresse 1. J'aurais plus de précision aussi. En fait. De la belle qualité. Qui pourrait se revendre un bon prix. Tout à fait. Alors, que je mette la carte à jour. L'épisode est un peu long, hein, mais on va quand même boucler cette salle. Hein. On est pas comme ça. Voilà. On va voir vite fait ce qu'il y a jusqu'au bout. Il y a des choses par ici. Alors moi, tes piliers du démon, là, ils me rendent fou, là. J'ai pas la ref. Ok. Bon, j'ai pas la ref. Pour l'instant, j'ai pas la ref. Et ça, ça permet de descendre vers la cave où on a un objectif suivant. Et bah parfait. Je pense que c'est un bon endroit pour vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe, et de vous dire à la prochaine. C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour Donjon de l'Albe.